La zone euro déploie son pare-feu anti-crise. Les ministres des Finances de l'Eurogroupe se retrouvent aujourd'hui à Luxembourg pour signer l'acte de naissance du MES, le mécanisme européen de stabilité. Cet instrument financier permanent va remplacer à terme le FESF, le fonds de secours actuel. Le MES sera pleinement opérationnel dès que les États auront versé leur part. Il sera alors en mesure de prêter environ 200 milliards d'euros d'ici fin octobre sur une enveloppe de 500 milliards d'euros selon un responsable européen. Le MES est d'autant plus stratégique qu'il pourra servir à recapitaliser directement les banques de la zone euro sans alourdir la dette des États. Une possibilité qui intéresse directement l'Espagne de Mariano Rajoy, qui a obtenu en juin dernier une ligne de crédit de 100 milliards d'euros de la zone euro pour ses établissements de crédit. Mais l'Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande souhaiteraient attendre l'entrée en vigueur du MES avant toute recapitalisation directe.